Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hold-up? Oui. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Moi, ouais. Voilà. Donc, alors, un hold-up, c'est une méthode de travail pour réfléchir sur un projet, trouver des solutions et prototyper ces solutions. Donc là, par exemple, Isane, elle a souhaité qu'on réfléchisse à la question de ce que pourrait être une prestation de Noël et qui serait durable. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un Noël durable? Et peut-être c'est venu d'un constat. Qu'est-ce qu'un Noël durable chez Verteco, surtout? C'est qu'on a quand même une éthique, on communique beaucoup sur l'environnement, et j'ai l'impression qu'on ne met pas assez en valeur, justement, tous nos dires sur cette prestation, en fait. Il y avait deux aspects importants dans ce que Isane m'avait dit, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. Voilà. Des choses qu'on dit et qu'on fait. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de faire correspondre un peu ça. Oui, non, mais on n'est pas obligé de changer de fournisseur, mais par contre, on peut peut-être déjà déterminer une gamme qui soit conforme à ce qu'on a dit. Et après, on peut orienter la gamme peut-être. Donc ça, ce serait plutôt une action un peu plus à long terme, c'est-à-dire définir une gamme de cette prestation qui va engendrer du coup des commandes fournisseurs qui seront différentes. Ouais. Objectif en interne que vous avez chez vous. Donc comme dit Cécile, avoir peut-être conservé ce qu'on a actuellement, et proposer 100% durable avec la plus faible empreinte carbone et le plus édique possible.